vergrößern. Hier oben. Nee, verlängern nicht. Sondern, also hier sagt er ein bisschen breiter. Ja, ja. Höher? Nee, höher haben wir schon gemacht. Comment tu envisages la relation entre le bouddhisme et la création de statues? Si tu veux, on ne dissocie pas. Hein, la statuaire bouddhique fait partie de... Il y a ce qu'on appelle l'enseignement, le dharma. Et la statuaire fait partie du bouddhisme. Hein, c'est tout un ensemble qui est transmis. Hein. Il y a les tankas, il y a les mandalas. Donc on ne dissocie pas hein, l'art du bouddhisme. Le sacré fait partie intégrante. Hein. Ensuite, en fait, j'habitais un centre bouddhiste, donc il y a quelques années déjà. En France, en Savoie. Oui. J'ai eu la chance en fait, de rencontrer des maîtres sculpteurs qui venaient réaliser un Bouddha d'un mètre et six petites statues. Ah, oui. Et donc pour moi, ça a été l'opportunité. De... Et ils venaient d'où les... Du Bhoutan, directement du Bhoutan. Oui. Ils faisaient une tournée en, fait, en France, hein, dans différents monastères. Pour réaliser des sculptures, donc ils étaient invités une ou deux années en fait. Voilà, c'est comme ça que j'ai démarré. Hein. Bon, ceci dit, c'est vrai qu'il faut préciser qu'ils m'ont demandé de m'engager à vie, quoi. Ils ne voulaient pas m'enseigner au départ. Donc ça, je crois que c'est très important. Mmh. Hein, c'était pas juste pour me faire plaisir, donc c'est vraiment... Et la décision, est-ce qu'elle a été difficile à prendre? Non, j'ai juste pris un peu de temps, mais ça a été immédiat, en fait. Dans mon cœur, immédiat, oui. Je dirais, après, j'ai réfléchi, mais... Voilà. tu as une foi, quoi, en fait, vis-à-vis de ces énergies-là, de ce que représente le Bouddha, les divinités. Donc, si tu n'y crois pas, tu ne peux pas manifester ça. Mm. C'est pas vrai. Oui, je crois aussi. Donc, après, je tu ne peux pas rester extérieur que sur un plan technique. Mm. Non, ça, c'est... Je ne crois pas. Mm. Donc, forcément, ou bien tu t'engages, ou bien tu fais autre chose. Oui, c'est un chemin de connaissance de soi. Je dirais que c'est un grand privilège de pouvoir faire des Bouddhas, c'est très difficile, c'est un grand privilège, bien sûr. Donc être conscient, le faire du mieux possible. C'est vraiment un autre chemin. C'est pour ça qu'on appelle art sacré. On ne se considère pas comme le créateur de quelque chose. On est juste un intermédiaire entre le spirituel et à travers la matière pour servir les autres, en fait. Et la liberté, c'est quelque chose... Comme c'est codifié, c'est très établi, en fait, tu rentres dans quelque chose qui pourrait te sembler complètement enfermant et trop structurant. Et en fait, cette liberté, elle est véritablement à l'intérieur de toi. Mmh. Elle se répand, mais elle est authentique en fait, parce qu'elle vient se connecter avec ta propre source. Il n'y a pas ce qu'on appelle l'ego qui vient dire « moi je veux ci, je veux ça ». En même temps, c'est pas une histoire de libre arbitre, hein. C'est vraiment un autre chemin. Il faut l'expérimenter. C'est vraiment un autre chemin, ça n'a rien à voir en fait. On ne signe pas les sculptures, c'est pas ma sculpture, c'est vraiment, on est au service... Je veux dire, c'est un acte de foi, c'est une prière matérialisée, je dirais, tu vois. Comment les maîtres... Alors les premiers maîtres, en fait j'ai eu ces deux premiers maîtres qui s'appelaient Gyaltsen et Joho. Et ensuite quand je suis parti au Népal me perfectionner, j'ai eu un troisième maître qui s'appelait Omton, qui aujourd'hui est décédé. Et puis j'ai beaucoup travaillé avec ses élèves qui étaient déjà de très très bons artistes. La différence chez eux, c'est inscrit d'une façon culturelle. Ça se transmet de père en fils, d'oncle à neveu, ou bien pour certains moines dans les monastères. Chez nous ici, c'est différent, quoi.
Moi, ça me fait penser, quand tu parlais de tradition, je veux dire, dans toutes les cultures, il y a des traditions. Hein. On retrouve ça. On retrouve tout à fait, ouais. Et des fois, on se demande quel est le bien fondé de la transmission, parce que des fois, il y a aussi des traditions qui sont désuètes et plus adaptées au monde moderne. Enfin, tu vois. Alors, on peut dire que c'est encore vivant, donc c'est ce qui est formidable, quoi. Ok, c'est ça. C'est une grande chance. Hein. Je ne sais pas si dans le futur ça continuera, mais en tout cas, là aujourd'hui, c'est un moyen de, ouais, de participer. On peut dire, c'est un maître de Tanka, Giga Lama, donc avec qui j'avais eu plusieurs contacts, m'avait dit faire des Bouddhas ou faire des Tankas, c'est participer à la paix dans le monde. Mmh. Donc je crois que ça, c'est vraiment. C'est fort, quoi. Je trouve ça assez fort. Ah, c'est parce qu'amener la paix dans l'esprit de quelqu'un, c'est déjà amener plus de paix dans le monde. Donc, voilà. Dans ce sens-là, c'est vraiment quelque chose de précieux. Maintenant, il ne faut pas tomber dans l'idolâtrie, s'attacher. C'est un moyen. Hein. C'est un moyen. On prend en fait comme critère ce qu'on appelle les 32 marques majeures du Bouddha. Et on prend des références sur des textes, donc les sutras. C'est les références des 32 marques donc signalent en fait que le Bouddha n'a pas exactement le corps humain, il n'y a pas des os, tu vois, des choses saillantes, donc tout est douceur en fait, tout est rondeur, et donc ça c'est un des critères. Et donc tu verras que les doigts sont particulièrement longs et courbés comme ça. Donc ça c'est, d'ailleurs on trouve des influences dans cet art grec, hein, puisque une des origines de Bouddha donc, était le Gandhara en Afghanistan, c'était autour du 1er, 2e siècle. Donc c'est de là que sont parties les premières représentations avec tout ce qu'on appelle les drapés grecs, enfin l'art gréco-bouddhique. Hein. Donc on retrouve ces choses-là. Par rapport au matériel d'argile, justement, pourquoi est-ce qu'au Bhoutan, c'est ce matériel qui a été choisi? Est-ce que dès le début, on a mélangé des fibres naturelles avec l'argile, ou est-ce que... Je crois que ils fonctionnent d'une façon très simple, en fait. Ils prennent ce qu'ils ont. Hein. Donc, ça devait être un matériau qui était facile à avoir, hein, donc on utilise ce matériau-là. Hein. Je crois qu'il est facilement modelable, facilement. On peut vraiment. Je crois que ce choix-là, c'est un choix très simple, en fait. Quand on voit comment ils vivent, ils ont des choses. Voilà. Pourquoi ils ne puisent pas non plus, hein, parce que c'est jamais cuit dans cette technique. Mais parce qu'ils ont peu d'arbres aussi, et que c'est difficile, quoi. En même temps, bon, mais c'est fait pour l'intérieur, donc ça, si c'est bien fait, ça dure longtemps. Hein. Ouais, ça peut. À plusieurs siècles. Plusieurs siècles. Oui, ouais, plusieurs siècles. C'est ce qui est formidable, parce qu'avec l'argile, on a cette liberté-là de pouvoir remodeler, revenir, refaire. Là, par exemple, sur ce Bouddha, on l'avait déjà, il était fini, et en fait, on est revenu pour modifier des choses, le visage, et essayer de travailler sur les aspects qui étaient disharmonieux, en fait. Hein. Donc. Oui, on a une grande liberté puisqu'on humidifie, hein. C'est ça l'avantage. Il y a quelque chose de très fort dans l'argile, c'est que c'est un matériau vivant donc qui transmet vraiment l'énergie en fait. Hein. C'est vivant, donc ça on peut le sentir vraiment si on reste ouvert devant, c'est quelque chose qui, voilà, qui nous pénètre. C'était le thème qu'en fait, pendant ce stage, chacun construit ou modèle un morceau du Bouddha qui sera ensuite rassemblé pour former une seule et unique statue. Donc, on voit bien que ce n'est pas une idée d'art moderne ou l'ego des artistes. C'est plutôt... justement un échange, un travail en commun.
Bah déjà, il faut avoir la disponibilité, avoir la motivation très très forte. Hein. Essayer d'avoir le moins d'égo, ça c'est important. Faire confiance dans ce qui est transmis. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas évoluer et changer. Hein. Mais je crois qu'il y a... faut avoir cette ouverture-là. Donc développer aussi, c'est ce qu'on appelle la bodhicitta, vraiment se rendre compte que ce qui nous est donné, transmis, c'est très précieux et essayer vraiment de le faire avec cette motivation pure. Mmh. En fait, hein, comment devient-on maître en statuaire sacré? Mais il faudrait poser la question à un maître, il pourra te répondre. T'es pas encore maître? C'est-à-dire, on est élève toute sa vie? Je crois. C'est pour ça. Disons que pour les Asiatiques, c'est plus facile, ils sont dans un contexte où c'est plus évident. Mm-hmm. Pour les Occidentaux, nous on est tellement peu, il faut vraiment étudier beaucoup. Et puis peut-être aller se faire reconnaître, ce qui n'est pas facile non plus. Hein. Non, c'est la connaissance, c'est une connaissance intérieure des choses, c'est développer plus de sagesse et plus de perfection dans son travail. Qu'est-ce que c'est pour toi la connaissance intérieure des choses? Sans rentrer dans des choses très compliquées, ce serait l'intuition, mais poussée un peu plus à l'extrême. Mmh. Voilà, une sorte d'intuition, mais plus profonde.